Georges Gérard est en train de se concentrer en ce moment. Je vous le cache pas, il ferme les yeux. C'est de l'improvisation, donc si vous êtes en mesure d'enregistrer ce qui va se passer, c'est exclusif. Profitez-en. À toi. Attends. Parle bien devant le micro, Gérard. À toi sur toutes les filles. Ouais, c'est bon. On y va ou pas? Tous les gars. À la façon. Je connais pas, mais je vais essayer un truc. Allez, on y va. Bah, essaye, donne-moi un air. Ouais, non, mais donne-moi un air que je connais. On va essayer. Allez, attention. Que je voudrais te dire, mais je ne peux pas te dire je t'aime, car je suis heureux en ce moment. Isabelle, je t'aime. Voilà. Céline, voilà. Attends, mais Gérard, attends. Pourquoi vous lui donnez un texte? Tu veux pas voir? Santiano, tu la connais. Alors écoutez, Hugo Frey, Santiano. C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau. Iseo, Santiano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Tiens bon la barre et tiens bon le banc. Iseo, Santiano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Et tiens bon le vent, Iseo, Santiano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Olé! Qui est dans sa cabine, tu vois, oui. C'est grâce à Max, Julie. Ah oui, entièrement d'accord avec toi. Et Florent, c'est grâce à eux. Entièrement d'accord avec toi. C'est grâce à eux, si à l'heure actuelle, je peux être encore là ce soir. Ouais. Non, dis pas de bêtises. Mais c'est grâce à toi, hein. Attends. Et je fume une cigarette, là. Faut que tu t'organises, Gérard. C'est une chanson anglaise, là. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Pardon. On recommence. Excusez-moi si je déraille. On recommence alors. 3, 4. On va faire comme ça. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Voilà, mais... Oh non. Moi, là-dessus, j'arrive pas à le lire. Pourquoi t'arrives pas à le lire? On est venu boire un petit coup à la maison. Non, mais attendez. Le roman, c'est une belle histoire. C'est une roman. Aujourd'hui, il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances, c'est ça, sans doute un jour de chance, il avait le ciel à portée de sa main, c'est un cadeau de la Providence. Alors pensez pourquoi au lendemain, ils se sont cachés dans un champ de blé.
se laissant porter par le courant, se sont rencontrés, leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance qui accueillait le ciel au creux de leurs mains, comme un, comme on cueille de la providence, refusant le jour de lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance. Aujourd'hui, il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Il descendait dans le midi, ils se sont quittés au bord du matin, sur l'autoroute des vacances, c'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluant la providence, en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle est descendue, là-bas, dans le midi. C'est un beau roman, c'est une belle, c'est une romance. La 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 la. Je cite pas, c'est des mecs, c'est waouh, mortel, Gérard, tu chantes mieux que Florent Pagny, chanter quand tu chantes. Oh là là, les gens aiment ça. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Oh, ça va être sympa ça. Il est né de la magie, de rien, de tout ce qu'il fait. Il a le sourire. Alors, je suis obligé d'arrêter Gérard parce que là, là comme t'as 3, 4. Il met de la magie, mine de rien de ce qu'il fait. Il a le sourire facile, même pour les imbéciles. Il s'amuse bien, ou il tombe jamais dans les pieds. Il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons de la nasse. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Je pense c'est tout. Je suis pas un voleur, moi. c'est bien, Gérard. Bon, ben. Colonie de vacances. Merci. Merci, papa. Merci, maman. Bah, tu peux chanter celle-là. Celle-là, c'est le chant. Attention. 1, 2, 3. Les jolies colonies de vacances. Merci, maman. Merci, papa. Yeah. Tous les ans, je voudrais que ça recommence. Youpi, yaï, yada. Je vous écris une petite boue, une bafouille, pour me dire qu'on ne, que vous faisiez. Oh, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? C'est une chanson pour les alcoolos, des alcoolos, ah je non, m'en fous. Ça y est, il est parti. À peine, et puis tu fais ta nuit, ta fin de nuit avec, avec ton standardiste. Gérard, ouais. Et pas de problème. Waouh! Allez, Gérard, on y va. Tu connais ta barbare, tu nous reçois. C'est la dernière, Gérard, ce sera la dernière. Mais il faut que t'en chantes une du début à la fin, pas 5 minutes, hein, pas. C'est il dément pas, donc il nous avait caché ça. De quoi qu'est-ce que je t'ai caché? Tu travailles pour France 3, non? Que t'étais sur le boss de France 3? Non. Un an? Ah bon? Non.
Non, tu me diras, les programmes, ils changent rien. Non, non, c'est bon. C'est bon, non ? Pascal Brunner, peut-être ? Pascal Brunner, c'est... Bah oui, pourquoi pas. Et puis quoi encore ? Non, mais... Au bois de Boulogne, on connaît, ouais. On connaît par cœur. Ouais, voilà, un petit coup au bois de Boulogne. On t'a choisi quel poème ? Alors... Excusez-nous, on peut pas. À toi, à la façon que je voudrais te dire, mais je ne peux pas te dire je t'aime, car je suis heureux en ce moment. Je tu sais très bien qu'il y a du monde pour toi. Mon cœur, je te le donnerai un jour. J'espère que tu feras de choses avec, car j'ai un cœur très fragile. Tu sais, il y a longtemps que j'attendais ton retour, mais malheureusement tu ne peux pas venir. Alors je te demande un jour, est-ce que tu seras à mes côtés pour la fin de ma vie? Voilà, terminé. Oh là 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 là. J'espère que vous avez enregistré, parce que là, franchement, moi, j'avais les yeux fermés, j'étais parti, moi. Le dernier que je viens de faire, c'est même pas du tout un truc sur un poème. T'as improvisé total, là. Tu peux pas te le dire. Ça, c'est un truc entre moi et quelqu'un qui travaille. Non, mais on peut pas t'en dire plus. Merci, Gérard. En tout cas, tu vas rester un petit peu avec nous. Merci encore, Alex. Et on aura l'occasion de rester en contact ensemble pour peut-être une nuit. À mon avis, ça va. Un de long, comme on a été le balancer. Sur Internet. Non. Internet. Non, non. Internet. Non, non, sur Internet, je m'en fous. Mais on a été me balancer que je ressemblais quand même à Alain Delon. Ah, oh, ben c'est vrai, mais c'est vrai, mais plus Alain Delon, hein, plutôt. Non, hein. C'est bon. C'est toi qui l'as dit, Gérard. Ouais, ben peut-être, parce que je l'ai dit à la caille là-bas. Ouais, à la cave froid. Bah, l'AFP, c'est ce qu'ils ont dit, en tout cas. Hein. Ouais, ben l'AFP, je m'en bats les cacahuètes. Tu veux qu'on les appelle ? Non. Et ce qui serait marrant, c'est quoi ? C'est qu'on appelle l'AFP pour partir, à un moment donné où ils décrochent, tu leur dis. Non, mais par contre. Non, mais au moment où ils décrochent, non, mais par contre, il y a un petit truc. Non ! Non, non, dis pas à Julie qu'elle appelle l'AFP. Mais si. Je suis pas d'accord. J'ai une idée. Non, Gérard, j'ai une idée avant Julie. De partir. Gérard, écoute-moi, j'ai une idée. Gérard. Par contre. Non, mais écoute-moi, on appelle l'AFP. Au moment donné où il décroche, avec Alex, directement, vous mettez à jouer et tu lui dis pas bonsoir, tu chantes une chanson sur l'AFP. Sur l'AFP. Ah, je n'en ai pas. AFP, bonjour. Allô maman bobo, dis-moi comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman bobo, j'ai des beaux bobos à plein la tête. Vous dites que des bêtises sur moi, mais j'en ai marre de vous. Comment vous m'avez fait, je suis pas beau. Alors maman bobo, à quand vous allez continuer de me faire plein de bêtises? Allô ? Ah bah voilà, ils ont raccroché. Bravo Gérard ! Attends, on va les rappeler, tu vas recommencer. On va recommencer de bois, qui traîne, un truc comme ça. Je m'appelle Gérard, je suis de Suresnes, je suis dans une cabine téléphonique. C'est un petit pont de bois, alors il s'en allait sur le pont de ma mère. On s'amuse bien ? Oui, tout à fait. Oui, c'est bien. Oui, pourquoi ? Parce que vous vous amusez pas ? Vous faites quoi à l'heure actuelle ? Attention, parce que j'ai un ami à moi qui est dans une cage à pigeons et qui va vous chanter une chanson. Ah bon ? Ben, je vais l'écouter. Alors écoutez-le, allez-y, vas-y. Vas-y, Gérard. Vas-y. Improvise, Gérard ! C'est un fameux. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Bah pour l'instant, la musique est bonne, mais bon, ouais, la parole, musique, c'est plutôt bon. Quand la musique est bonne. La musique est bonne.
Bon bah merci monsieur. Oui mais justement j'écoute Fun Radio là. Ah bah alors ça tombe bien, alors tu connais Gérard alors. J'ai reconnu Gérard. Ah bon Gérard, regarde, c'est l'hôpital Sainte-Anne, ils te connaissent. Sainte-Anne. Bon disons il y avait que vous pour nous appeler à cette heure-ci. Non, me tape pas Gérard. Me tape pas. Arrête. Oh y'a Gérard qui se bat, et l'hôpital Sainte-Anne. Et vous pouvez pas venir quand même avec une camisole de force et venir nous chercher le Gérard ? Bon, c'est possible. Hein ? Ouais, c'est possible. Mais vous en avez pas assez de malades chez vous ? Non, mais bah, un de plus, un de moins, tu sais, hein. Non, mais attends, un de plus, un de moins, et après vous allez vous ennuyer sur l'antenne. Non, c'est bon, je donne l'adresse de la cabine hors antenne. Ah, ouais, t'as raison, qu'est-ce que vous allez faire sans Gérard ? Bah, rien, mais vous allez pouvoir vous amuser avec. Vous le donnez à manger aux canards. Quoi? On va bien. La marche des canards. Merci l'hôpital Sainte-Anne, merci, bonne nuit. Bonne nuit Sainte-Anne. Hein. Salut, merci Gérard. Hein. Puis ne bougez pas, Yannick arrive d'ici quelques instants. Merci encore à Alex, on l'a dit 10 fois, mais c'est vrai, c'est très sympa, il y avait beaucoup de matériel.